Bonjour à vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un retour de course. J'ai été faire les courses tout à l'heure, comme une grande, à Lidl. Et donc, du coup, je vous montre tout ce que j'ai acheté. C'est exclusivement des trucs que j'ai trouvé à Lidl. Et donc, voilà, pour information, j'en ai eu pour 150 balles. Je trouve que c'est pas énorme. Alors, sinon, je t'annonce tout de suite, toi qui vas me dire « Ah, mais ce que t'as acheté, c'est que des trucs industriels, c'est de la merde !» Je t'explique, je les ai pas achetés pour toi, j'ai pas te livré mes courses, donc ce que je mange me regarde moi. Et puis si t'es pas contente, il y en a une qui m'avait dit aussi « Ah mais quel est l'intérêt de regarder cette vidéo ?» Non mais je t'explique, c'est marqué dans le titre « Retour de course », donc forcément je vais te montrer ce que j'ai acheté. Donc l'intérêt, bah y en a pas. Si t'aimes pas regarder ce genre de vidéo, bah clique pas sur le titre. Si moi je veux pas regarder « Retour de course », je vais pas cliquer sur un titre « Retour de course ». Donc voilà, petit aparté, et sinon pour tous les autres, bienvenue dans cette vidéo. Et donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors je vais commencer par le congelé. J'ai pas acheté énormément de trucs en congelé, mais j'ai acheté ceci. Ce sont tout simplement des spinach pouf frozen. Voilà, ça se présente comme ça. Alors de, par rapport à l'inscription, ça m'a l'air d'être grec. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas ce que c'est exactement, ça se fait au four, c'est des feuilletés garnies d'épinards au fromage surgelé. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Et toujours dans le congelé, j'ai pris des petits charolais comme ceci, façon bouchée. Ils sont très bons, il n'y en a que 4 à l'intérieur, mais ceux-là, Nani, c'est ceux-là dont je te parlais, ils sont très bons. Allez, congélation! On va passer à tout ce qui est viande et trucs comme ça, du coup je pourrais ranger... Alors, on va commencer par là. J'ai pris un poulet, oui. Le poulet, voilà. Un poulet comme ceci qui fait 1,5 kg de barbac. Alimentation 100% végétale, volaille française. Pour information, je vais pas vous mettre les prix, hein. Faut pas déconner. J'ai pris des nems comme ça parce que je les trouve très bons. Moi, je les fais au four et à l'intérieur, on a 4. Et il y a une petite sauce. Gnoc mam, c'est très bon. Et aussi, tant qu'à faire, je pense que ce soir, je vais me les faire des petits assortiments vapeur, comme ça. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais il y a 275 grammes. Et il y a aussi une petite sauce, deux sauces, attention, on rigole pas. J'ai pris aussi de la viande hachée, comme ceci, 15% de matière grasse, pur bœuf. Et ça, franchement, moi j'adore. Je me l'ouvre, je mets dans le canapé avec une petite bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et avec mes petites mains propres, je mange comme ça. Ah, j'adore. Oh, j'adore. Je me suis pris des yaourts comme ceci. Alors, Nani. Oui, tout le temps, à chaque moment dans les vidéos, je dis Nani. Vous allez me prendre pour une folle. Mais cette marque-là, Milbona, franchement, c'est la marque de Lidl. Ils sont très bons. Donc, ça, c'est des yaourts aromatisés. Fraises, framboises, pêche, abricots, j'ai déjà dit, ouais, et vanille. Donc voilà, ils sont très bons et ils se présentent comme ceci. Et ça, c'est pour moi, c'est pas pour bébé chouk-chouk. J'ai tellement hâte de m'acheter un nouveau frigo parce que là, c'est limite. Hein. On n'est pas bien, les gars, on n'est pas bien. Ensuite, pour mon chéri, j'ai pris des petits liégeois comme ceci, au chocolat, tout ce qu'il y a de plus simple. À l'intérieur, vous en avez 8. Et pareil, c'est de la marque Milbona. Oula! Doucement les liégeois, doucement. Parce que ça, quand tu fais tomber, t'es juste pas bien, quoi. Ensuite, j'ai pris deux sachets d'emmental râpé parce que mon chéri, dans ses pattes, il n'y a pas d'emmental, il est pas bien. Je me suis pris des petites allumettes de lardon fumé parce que mon chéri n'aime que celles qui sont fumées. Moi, je ne sens pas forcément la différence, mais du coup, j'en ai pris deux. Et par paquet, vous en avez 200 grammes. Donc, deux petites portions, 200 grammes, du coup, au total, 400 grammes. J'ai pris ça. Ça, je les avais goûtés chez ma tante quand j'étais partie en Bretagne. Ce sont des espèces de fricassés de volaille. Donc là, c'est à la dinde et poulet. Et ça, c'est du porc. Elle m'avait fait goûter le porc. Et en fait, vous voyez, c'est des espèces de petits steaks reconditionnés. Alors, niveau composition, 80% de porc, partiellement émincé, chapelure, farine de blé, sel, levure, oignon, eau, épices, moutarde, sel, détox, amidon de blé... huile de tournesol, air aromatique, œuf entier. Bon voilà, il n'y a pas de E. Mon cul, mes couilles. Oh, grossièreté, désolé. Il n'y a pas de E, naninana. Donc, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc, si vous connaissez pas,
tester. Et désolé pour la vulgarité, bien sûr. J'ai pris ça, je connaissais pas, j'en avais jamais pris. Donc c'est des fines tranches de dinde, vous en avez 25. Et là c'est des fines tranches de poulet rôti. Et vous en avez 25 aussi à l'intérieur. Moi je prends pas mal de trucs déjà préparés, parce que comme ça, pour me faire mes gamelles au boulot, bah c'est plutôt pratique. J'ai ensuite pris des saucisses géantes. Quand je les ai vues, je pensais pas que c'était aussi gros. Mais en fait voilà, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. XXL mon gars. Vous en avez 1 kg de saucisses là-dedans, pur porc, donc voilà, composition, pas de E chelou, antioxydant quand même, stabilisant, voilà, c'est pas de la saucisse que tu vas acheter chez le boucher, mais voilà, dans tous les cas, c'est moi qui mange, hein. Les saucisses sont rangées, les saucisses. Un petit peu de poisson, j'ai pris des émincés de saumon comme ceci au citron, il y en avait aussi au poivre, mais j'ai préféré les prendre au citron et à l'aneth. Donc comme ceci, j'ai pris aussi du poisson comme ça, des filets de limande du Nord, s'il vous plaît. Donc ça c'est bien, en plus ça dure super longtemps parce que là on est, je sais même pas quel jour on est, mais grosso modo vous en avez pour 15 jours de conservation, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi pris du saumon fumé de Norvège pour faire des petits spaghettis au saumon, mon chéri les fait très 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 bien. J'ai pris du jambon de Paris, par contre c'est pas du supérieur, moi j'aime bien le supérieur mais c'est pas vrai, j'ai pas pris du supérieur, voilà, j'avais pas fait gaffe. Sans couane, parce que moi je n'aime pas la couane, et en fait limite je vois pas l'intérêt de la couane. Laisse-moi un commentaire pour me dire quel est l'intérêt de la couane. Donc voilà, moi je le prends sans couane. J'ai pris du jambon cru italien comme ça pour mon chéri le soir pour picorer. Et j'ai pris deux petits steaks charolais, tendres et savoureux, maturation 10 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Des petites, qu'est-ce que c'est? Tortellini, jambon cru, ces trucs-là c'est pas terrible, terrible, mais pour me faire ma gamelle, ce sera pas mal, donc c'est cela. Et je me suis pris, alors ça j'étais obligée de le prendre, c'est des espèces de nouilles, hop là, oh j'ai pas de force, des nouilles comme ça avec du poulet à l'intérieur, et c'est de cette marque-là, et c'est un petit peu épicé apparemment, non c'est pas épicé, je dis n'importe quoi. 3 à 4 minutes au micro-ondes, ou 5 à 6 minutes à la poêle, et franchement ça a l'air plutôt bon, même si c'est industriel hein. Le summum de l'industriel, j'ai pris des petits grignotes de poulet rôti comme ça. Alors ça là-dedans, il n'y a que de la merde. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Sirop de glucose, protéines de soja. Ah bah c'est pas du vrai poulet. Hein. Mais je les aime beaucoup. Donc j'ai pris nature et j'ai pris barbecue. Mes préférés, c'est les barbecues. Et ça, c'est nickel pour ta gamelle. T'as pas le temps, tu dois filer. Tu prends ça, c'est bon, ton repas, il est fait. Hein. J'ai pris des petits wraps comme ceci. Alors celui-là, c'est jambon cheddar. Sauce burger, ah ça doit pas être terrible, terrible. Il y en a au brebis, mais je les ai pas trouvés. Et celui-là, c'est quoi? Sauce yaourt. Et ben justement, voilà, au fromage de brebis, c'est celui-là. Mais en fait, là, ce qui est chiant, c'est que il y a l'étiquette, parce qu'en fait, ah, oh, ça fait trop de bruit. Ce qui est pas mal à Lidl, en fait, c'est que, enfin, dans Lidl à moi, c'est qu'il y a un rayon où les trucs sont date limite. En fait, par exemple, ça, j'ai acheté 20 centimes. C'est parce qu'il est périmé aujourd'hui. Donc celui-là, voilà, c'est fromage de beurre, sauce au yaourt. Et celui-là, il est trop, 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 trop bon. Donc c'est des petits wraps comme ceci. Comme ça. Et ça, c'est très, très bon. Je vous le recommande à 2000%. Mmh. Mmh. J'ai pris des petites carottes râpées à la ciboulette pour mon chéri. Parce qu'il aime bien les carottes râpées. Le seul truc qui est chiant, c'est que je trouve que le contenant, il est énorme. Il y a combien dedans? Je sais même pas. Il y a 500 grammes. Donc je trouve ça un petit peu gros, mais bon. À Lidl, de toute façon, il n'y a pas énormément de choix. Et j'ai pris des danettes comme ça. Enfin, pas des danettes, la sous-marque. Malbola, Milbola toujours, au café. Elles sont très, 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 très bonnes. J'ai ensuite pris des petits yaourts comme ça de brebis. De la marque Andia. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Je pense que je vais garder le pocher. Sauf si je défonce tout. Pour en parler dans mes produits terminés. Donc, c'est deux petits pots comme ceci. Et ça, je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai aussi pris tout simplement du beurre tendre. J'ai pas pris de micelle parce que c'est pour mon chéri, mais j'ai pris celui-là, voilà, c'est du beurre. Hein. J'ai pris une pizza comme ça et je suis un peu bête, j'allais dire encore un gros mot, de l'avoir pris parce que elles sont pas terribles, terribles. De toute façon, les pizzas, mon chéri, les customise toujours. Donc ça là, c'est jambon emmental. Après, elles sont pas dégueu non plus. Hein. Et j'ai pris de la sous-marque Kiri. Ouais, c'est Kiri ça. Malbola pareil, et ça c'est pour la petite choupinette, et ça ils sont très 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 bons, moi aussi j'en mange, ils sont très 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 bons. J'ai pris un hamburger comme ça, ça a l'air super dégueulasse, mais en fait j'ai juste pris parce que j'avais faim et je me suis dit pour tout à l'heure ce sera nickel. Et ce truc là il est à, enfin il était
la date est courte. Et donc, il était à 69 centimes. Donc, je me suis dit, allez, on va le prendre. Et voilà, c'est un truc que vous mettez au micro-ondes, 70 secondes. Et puis voilà, bon, d'ailleurs, je vais le manger tout de suite parce que j'ai la dalle. Et comment ça se présente? Hop! Oh, les gens qui adorent les trucs naturels, ils vont pas être contents de cette vidéo. Donc ça se présente comme ça, publicité mensongère. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? 70 secondes au micro-ondes, c'est parti. Hop là, en attendant que ça chauffe, je vous présente un petit saucisson comme ça au Beaufort. Il y en avait aussi à quoi déjà? Oh merde, à la noisette, voilà, c'est ça, à la noisette et un autre truc, mais je me souviens plus. Mais celui-là, c'est au Beaufort et franchement, il est pas dégueu. Par contre, de vous à moi... consommez-le rapidement parce que sinon ça a un goût un peu dégueulasse, mais sinon c'est très très bon. Je me suis pris aussi des petits trucs comme ça, vous savez, c'est des boissons lactées au chocolat, donc j'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne, parce que moi le matin j'aime bien prendre ce genre de choses, vous savez, c'est des petits trucs pour les gamins avec une petite paille, mais moi j'adore. Ça y est, c'est fini, c'est un peu chaud, je vais attendre un petit peu. Au niveau des boissons, j'ai pris 6 litres, oh mais pourquoi j'ai pris ça? Qu'est-ce que je suis con? De lait comme ça, mais je pensais que c'était du lait classique. Non, c'est du lait facile à digérer, réduit en lactose. Donc dans tous les cas, vous savez que ça existe chez Lidl. Mais voilà, c'est pas celui-là que je voulais. Donc j'ai pris un pack de 6. J'ai aussi pris, mais là les enfants, j'ai pris 4 packs de 6 de cette eau-là, qui est très très bonne. Et en plus, elle est bleue dessus, très très bonne. Et en plus, cette eau-là, elle est compatible avec les biberons et vous pouvez les donner à vos enfants. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc c'est cool parce que c'est rare à Lidl qu'ils fassent ce genre d'eau. J'ai pris un jus d'orange comme ça et quand mon chéri m'a vu arriver, il m'a dit « Ah, mais celui-là, il n'est pas très 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 bon. » Et ben, Coco, fallait faire les courses à ma place, c'était pas longtemps. Là au moins il a pas bronché et je lui ai pris 2 canettes de Red Bull comme ceci. C'est des petits formats et ça coûtait 99 centimes. Et je me suis laissée tenter par cette boisson aussi énergisante comme ceci. Donc c'est Kong Strong. Et en plus vous avez la petite tête de King Kong. Donc ça je vous en parlerai dans mes produits terminés. Je vais la mettre au frais et puis je pense que je vais me la boire moi. C'est pas terrible le truc. Ah il y a trop de ketchup, C'est pas bon. Pour la petite pitchoune, j'ai pris des petites compotes, donc j'ai pris pomme, kiwi, ananas, elle est déjà testée, c'est très très bon, donc ça c'est à partir de 8 mois. Et j'ai pris des pommes biscuits, donc elles sont très très bonnes aussi. Par contre je suis un peu con parce que je pense qu'il y a du sucre rajouté, j'ai même pas fait gaffe à ça, je suis trop bête. Ah non, ingrédients, pomme, kiwi, ananas et vitamine C. Et là, ingrédients... Dans les biscuits, dans les biscuits du coup il y a du sucre, donc du coup ça vous fait du sucre. Mais bon, un petit peu de sucre ça fait toujours pas de mal, le tout c'est de pas en abuser. À manger, je me suis pris des petits macros comme ceci, donc ça c'est des macros à la moutarde à l'ancienne. J'avais acheté, j'adore ceux-là, franchement ils sont trop 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 bons si vous aimez les macros à la moutarde. Très 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 bons, j'en avais acheté des saupiquets et franchement je préfère largement ceux-là. Ils sont très 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 bons, moi j'aime bien les mettre au frais mais vous pouvez très bien ne pas les mettre au frais. Vous voyez le truc? Il y a trop de... Il y a juste ça, hein, mais il y a trop de ketchup en fait. Ah non, en fait, voilà. Super! Le ketchup, il est juste là. On adore. C'est pas terrible, hein. Mais vu que j'ai la flemme de faire à manger, pour moi, mais là, je suis en train de faire les petits pots pour bébé. Allez comprendre. Dans la catégorie saloperie, j'ai pris des espèces de Belvita, enfin des dupes de Belvita. Oui, des dupes pour les gâteaux. Donc vous savez, c'est des gâteaux genre petit-déj et à l'intérieur, vous avez un truc... choco noisette, il y en avait aussi goût yaourt et à la fraise, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris une petite barre comme ça de chocolat dessert. Je crois qu'ils ont changé le packaging, en plus c'est quoi, équitable, bio équitable ou je sais pas quoi. Très très bon, ceux là ils sont très très bons, ça j'ai pas encore testé. J'ai pris des petits œufs comme ceci, bio. Bah oui, je sais pas pourquoi j'ai pris du bio. Et celui là il est trop bizarre, il est tout blanc, c'est trop chelou, il est trop beau. Et les autres, ils sont normaux. Hein. C'est bizarre. Les bio sont bizarres. Parce qu'aucun œuf n'a la même couleur. Hein, mais Gaston, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris des petits pinces comme ceci. Ça, j'adore tremper dans du lait froid. C'est juste trop bon. Je me suis pris une boîte de fridans comme ça que j'ai cherché partout dans le magasin. Mais en fait, vous les avez en tête de gondole. Ça, je suis contente de les avoir trouvés parce que c'est une très 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 bonne marque. Et je ne les trouvais plus depuis un long moment. Je crois que c'est depuis que j'ai fait. Je commence à faire les produits terminés parce que je pense que je vous en ai jamais. Je les ai jamais présentés. Donc, ça, c'est du dentifrice. Je ne vous l'ai pas dit. De cette marque-là, protège naturellement votre bouche. Celui-là il respecte les mailles, bah, heureusement que tu respectes mon gars. Et celui-là il combat la cause des caries et les problèmes de gencives.
Mais je comprends pas pourquoi le dentifrice ne pourrait pas et combattre la cause des caries et des gencives et en même temps protéger les mailles. Voilà, je comprends pas parce que genre celui-là il protège pas du tout les mailles. Attention, attention les mailles, casse-toi. J'ai pris pour la petite pitchoune 2 sachets de couches. Maintenant vous en avez 50 taille 4 de marque Loupilou. C'est des couches tout ce qu'il y a de plus classique. Mais franchement elles sont vraiment pas chères et franchement elles sont super efficaces. C'est pas sérieux, c'est dégueulasse. Ah c'est pas bon. J'ai pris pour ma voisine qui a enfin accouché un petit livre comme ça. Ah, je peux l'ouvrir sans qu'elle le voit. C'est pour le bébé. Autant pour moi. C'est pour le bébé de ma voisine. Donc vous savez c'est un petit livre mal classé comme ça qui peut mettre dans le bain et tout. Je trouve qu'il est super mignon. Il est comme ceci. Mais franchement, moi, petite Pichoune, elle adore les livres un peu tout mou comme ça. Il y en avait aussi, c'était pas une baleine, c'était un autre truc. Et je sais qu'il y en avait une sirène. Par contre, ça vaut 3,80€. Je crois que je trouve ça un petit peu cher. Parce que moi, j'en avais acheté un Action qui valait vraiment pas cher. Et du coup, vu que ma petite, elle en a déjà un, j'ai pas pris des sirènes pour la petite. Mais j'étais un petit peu tentée. Donc voilà, très très mignon. Et j'ai pris un petit body. Donc pareil, ça, c'est la marque Loupilou. C'est la marque, en fait, pour les bébés de Lidl. J'ai pris un petit pyjama coton bio. Bon, il se présente comme ça. Là, je vais pas l'ouvrir parce qu'après, j'arriverai jamais à le ranger. Mais en fait, voilà, il est de cette couleur-là. Donc, c'est bio, coton bio. Et j'ai pris, parce que son bébé, il fait quand même déjà 4 kilos à la sortie, 9 à 12 mois, comme ça, elle aura de quoi faire. Et donc, voilà, là, vous voyez mieux. Il se présente comme ceci. Donc voilà les loulous, pourquoi t'es encore là? J'ai fini, j'ai plus rien à présenter. Donc voilà, c'est mes courses. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que je mange moi, c'est que ce que mange mon chéri à moi. Pour la petite, là, dans ce que j'ai acheté, non, il n'y a rien. À part les compotes, il n'y a rien d'autre que je vais utiliser pour lui donner à manger. Dans tous les cas, si t'es pas content, passe ton chemin. Et toi qui es toujours là, je te remercie énormément de m'avoir regardé. Je ressemble à rien. Merci, merci beaucoup à tous. C'était mes petits achats et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.